sur une défaite sur le parquet de Milan qui fait tâche. Oui. Il faut corriger ça, même si ça fait 3 semaines qu'ils n'ont pas goûté à l'Euroleague. Ils l'ont certainement encore en tête, les hommes de Chus Mateo. Le premier ballon est pour le Panathinaikos. Cosseur. Oula, Cosseur à l'espagnol. Ouais. Les copains, ils sont un peu rouillés ou... Oh, bah tenez, Balcherovski, il n'était pas annoncé dans le 5 celui-là. Il vient de rentrer. Ben, non, il vient de rentrer, il a remplacé le sort qui est sorti, je ne sais pas pourquoi. La distance réussie. À Baldé. Pas mal qui switch hein, beaucoup. Oh, il nous retire à 3 points d'Alberto Abaldé. Gros retire hein, de la part d'Alberto. Il faut s'écarter pour empêcher de le contrer. Mais non, il a raison, Kendrick Nunn. Il faut mettre le contact pour l'empêcher de sauter, justement. C'est contre-intuitif et très efficace. Et Campazzo qui régale Alberto Abaldé encore. En tir à 3 points pour le Real Madrid. Régal et vous aider. Double régal. Hésitation, il va leur faire cette fois, il est frappé par Walter Tavares. Ça me paraît un peu tôt quand même, parce que j'ai cru comprendre qu'il avait des croisés. Oui, quand même. Ouais, ça devait pas être des croisés. Oh, comme pas de son corps pour l'énorme dunk de Gershon Yabusele. On les retrouve, les Madrilènes, alléchants comme ils l'étaient. Oh, la vitesse à laquelle ça fuse de l'autre côté, c'est impressionnant. Hein. Parce que quand on a Campasso, forcément, on crée moins. Eh oui. Bon, c'était quoi ce tombé en slow motion là. Eh ben, ça se le sort, le petit hook shot par-dessus Vincent Poirier. Ouais, un peu de friture sur la ligne de la collection. Et Lucas à 3 points, ça fait du bien. Pour les Madrilènes. Et la balle à l'intérieur. Oh, superbe! Oh oui, délicieux! Et l'énorme dunk de Juancho Hernán Gómez. Et les boom shot à Juan. Oh là, et les Madrilènes, ils font des choix suspicieux. Ouais. L'impression qu'ils ont perdu tout leur pouvoir là. Je sais pas s'il y a des monstres qui leur ont piqué. Et Matias le sort qui monte à devant. Le Pana est déchaîné. Sergio Llull. Oh, la défense de Lucas sur Liu là. Oh là, par contre. Un gros trou et Talan Moussa qui marque. Lui par contre, faut pas lui en promettre. On lui donner un ballon, un panier. Défensivement, c'est l'école de basket. Très. Ouais, vite fait. Oh, et Mathias le sort qui emporte tout de l'autre côté. Superbe, hein, la course là dans l'axe, la bonne course du pivot et la vista de Kostas Lucas qui nous a l'air bien en forme, hein, dis donc. Ah, vous croyez qu'ils ne s'entendent pas bien? Ils s'étaient chambrés les deux après le match aller déjà. Je sais, je plaisante. Oh, magnifique! Oh, le régal! La passe dans le dos de Kendrick Dunn pour le Tomard de Mathias Le Sort. Waouh! La séquence là, de Panathinaikos sur le deuxième carton, c'est quelque chose. Un coach qui correspond bien à ce club. Et oui, regardez encore qui est là, regardez qui va aller fracasser le cerf! C'est Mathias Le Sort! 3 minutes 15 dans ce deuxième quart. Toujours l'avantage pour le Panathinaikos, Kendrick Nunn. Oh, un gros tir de Kendrick Nunn! Allez, trappe directement sur les postes. Oh, là, magnifique par contre, belle passe de Gershon Yabusele pour Walter Tavares. Ah, s'il vous plaît, c'est Vinicius Junior. Il ressemble. Eh, je vous jure, il lui ressemble. Il y a un truc. Et regardez là, c'est bien Kendrick Nunn qui score au buzzer pour enfoncer la tête des Madrilènes sous l'eau. Je savais que c'était Vinicius. C'est une blague. Alors, on a très peu vu Jerian Grant sur la première mi-temps. Oui, parce que la doublette de Lucas Nunn gère. Il gère très bien. Et la réponse immédiate
Ioannis Papapetrou. Donc il est bien en rythme. Tavares pas trouvé et qui va dunker après le rebond offensif. Écran de Tavares. Causeur à 3 points. La ficelle de Fabien Causeur. C'est bien contesté là. Oh, le contre. Oh, le Mathias Le Sort qui a fait une crêpe contre la planche. Ah, c'est un contre insolent, ça, hein, sur le côté avec une main. Et ballon qui atterrit dans les mains de Gershon Yabusele. Oh, le pétard de Gershon. Comme il est malin le sort, il n'a pas sauté là, il a dit voilà, lui je le connais, et je viens de passer une semaine avec lui en entraînement, j'ai joué contre lui plein de fois, je saute pas. Ah, regardez l'harcèlement là qu'il est en train de nous faire là, que Causeur sur Nunn. Oh là 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 là, ce tir de Kendrick Nunn, lui il a du talent plein les mains. Ouais. Pour Facundo Campazzo. Le sort, le Edouard par-dessus Walter Tavares. Ça passe rien dessus là. Voilà, donner la balle au scoreur. Il reste un dans l'air. Oh, Mathias Le Sort dans les airs. Il fait chaud en plus de performer, Mathias Le Sort. Voilà, il y a une belle connexion, Le Sort, Nunn quand même. Hein. Et c'est encore Poirier qui mange. Bon, vas-y, moi j'arrête. Hein. Vous êtes sûr qu'il n'y a aucune animosité entre ces deux-là? Et pour revenir à cette affiche, hein, déjà le match aller, ça avait été un spectacle fantastique. Oh, le tir au buzzer! Ça ne s'arrête jamais, Kendrick Nunn cette fois! Deuxième tir clutch hein, pour Kendrick Nunn en fin de carton. Si vous vous posez la question, il est totalement acclimaté au basket européen là, Kendrick Nunn, c'est bon. Sur la tête de Poirier, à Franck Dubosc, voilà, je cherchais le oui, nom voilà, de... Ah, vous étiez encore voilà. Sur le compère, j'ai failli dire, mais j'étais déjà un doute. C'était bien ça. Regardez, rebond. Le réveil. Le réveil de Zanane Moussa qui ramène Madrid à un petit point. Mathias Le Sort. Oh, il bon, a mais tout écrasé. C'est bon. C'est bon. Ah, ça va, il saoule là. C'est bon, j'en ai marre. Il a sa victime favorite. Allez, on est dans Ouais. Ne surtout pas taguer Vincent Poirier dessus. Ouh là là. Oh, le tir de Kostas Loukas. Il fait très très mal au Real Madrid. Il donne 9 points d'avance au Pana. Ils sont dans le juste. Ils sont dans le vrai, les Grecs. Franchement, là je vois le niveau du Pana. J'ai peur pour les adversaires là. Hein. Poster sur la tête, mais comme je dis souvent, les joueurs qui se retrouvent sur les posters, c'est ceux qui défendent. Hein. Si vous défendez pas, vous serez pas sur les posters, clairement. Vous ne serez jamais crossé. Hein. Je peux vous garantir, j'ai pas eu beaucoup de posters. Les Grecs, bien sûr. Grigonis avec le sort, ressort sur Grigonis à 3 points. Le coup de poignard. Ah ouais. Du lituanien Marius Grigonis en carrière. Là, on est des joueurs clutch là entre Moussa. Ah, il réussit encore à toucher un ballon. Hein. Et bon, encore c'est Mitoglou. Grigonis, le service pour le sort. Oh, elle est délicieuse. La passe de Marius Grigonis. Il lui a rendu. Allez, ça rigole entre le sort et Yabusele, je crois. Bah déjà on la voit moins dominante donc c'est bien, pour le coup moi je suis incapable de vous dire qu'il va gagner l'Euroleague cette saison. Allez Grigonis, on plie bagage, on rentre à Athènes, c'est lui qui a plié le match. Ah l'arrêté ce Mathias monsieur. Sort, ah, il ouais, est magnifique. Ah ben hop. Ah, il va y aller, c'est pour battre son record de points cette saison Mathias Le Sort. Ça fait 26 désormais.
Incroyable. Quelle leçon de basket du Panathinaikos. Ah ouais. Je crois qu'il va sur la passe de quarterback au corps de Mito Blue.